Dans l'expérience des anneaux de Newton, on a pu démontrer précédemment que pour un anneau, par exemple, qui se situe ici, il est possible de savoir s'il est brillant ou sombre à l'aide d'une formule classique de différence de marche qui vaut deux fois l'épaisseur de la zone d'air juste en dessous de l'anneau qui nous intéresse, plus ou moins lambda sur 2. Le problème de cette formule, c'est qu'elle n'est pas très pratique parce que l'épaisseur qui est ici, elle varie énormément tout au long de la zone d'air et elle n'est pas très pratique à estimer. Donc ce qu'on va vouloir faire très souvent, c'est remplacer cette épaisseur par des termes plus accessibles en termes de données. Par exemple, on aimerait plutôt faire intervenir la distance, pardon, entre l'anneau qui nous intéresse et le centre du verre. Ça serait intéressant. On a toujours fait ça dans les expériences d'interférence, de se repérer par rapport au centre. On avait fait par rapport au centre de l'écran, là on fait par rapport au centre du verre. Donc ça serait très intéressant à la place de E d'avoir X à la place. Interviendra aussi forcément, parce que ce verre est convexe, le rayon de courbure SC, le rayon de courbure SC du verre. Et ces deux données-là, ça serait bien qu'on arrive à en fabriquer une formule qui permettrait de remplacer l'épaisseur dans la formule de la différence de marche quand on veut savoir si un anneau est brillant ou sombre. Alors comment faire? Ça se trouve, mais au bout d'un certain temps, donc on va raccourcir un peu ce temps. Il faut faire apparaître un triangle rectangle. Donc on s'intéresse à cet anneau. On va faire un triangle avec la hauteur de l'anneau, le rayon de courbure et la diagonale qui reste. Et on va non pas, on ne va pas faire une tangente comme on fait très très souvent en optique géométrique. Non, 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 on va juste faire avec Pythagore. On va appliquer la formule de Pythagore dans ce triangle rectangle. Et ça va nous permettre d'avoir une nouvelle formule pour l'épaisseur, beaucoup plus pratique. Alors je vous montre. On va appliquer Pythagore au triangle, on peut même marquer des lettres pour que se repérer. Pythagore dit que l'hypoténuse au carré est égale à la distance ici au carré plus HI au carré. Donc on y va. Hypoténuse au carré, CI au carré, égale CH au carré plus HI au carré. Ça, c'est ce que je vois sur le triangle. Maintenant, il va falloir remplacer CI, CH, HI par X et le rayon de courbure autant que possible. Alors, CI, eh bien, c'est exactement la définition du rayon de courbure, c'est-à-dire qu'il y a le centre de courbure et tout ce qui est, c'est comme un compas en fait, hein, tout ce qui est sur la face convexe du verre est à la distance R. Donc CI au carré, c'est R au carré. CH, c'est presque le rayon de courbure, mais il faut enlever un petit morceau, il faut enlever la distance E. Donc CH, c'est R moins E, et cette distance, elle est, d'après Pythagore, au carré. Plus HI au carré, et ça, c'est exactement la distance qu'on souhaite entre le centre du verre et l'anneau qui nous intéresse. Donc ça, c'est X au carré. Il ne nous reste plus qu'à développer, à mettre l'épaisseur à gauche, et on aura la formule de l'épaisseur. Alors allons-y. R au carré ne bouge pas. Et ici, on a une identité remarquable. Alors je peux peut-être faire un petit rappel sur les identités remarquables en passant. Je vous rappelle que quand on a quelque chose du style A moins B le tout au carré, ça fait A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. C'est une identité remarquable qu'on est censé connaître par cœur. Donc je vais l'appliquer à ce qui est là, ça va donner R au carré moins 2 fois R fois E plus E au carré. Ça c'est l'identité remarquable, mais je ne dois pas oublier que j'ai aussi plus X au carré. Alors nous on veut E, et on se retrouve avec E et E au carré. Et là on va faire une simplification qui est un pur argument de physique, c'est que E, l'épaisseur qui est ici, est très très petite. En réalité, parce que mon schéma là il est exagéré, mais en réalité c'est quelque chose de très petit. Et quand on prend quelque chose de très petit et qu'on le met au carré,
comme ici, ça fait quelque chose de monstrueusement encore plus petit, quelque chose qui s'approche de zéro. À quoi ça sert de garder ce e au carré dans cette formule alors qu'il ne change rien au calcul puisqu'il est quasiment proche de zéro? Donc en fait, lui, on va le supprimer par un argument physique en disant qu'il est très très petit et donc qu'il est négligeable. On peut l'enlever. Parce que sinon, on va garder un zéro et pour rien en fait, ça sert à rien. Donc on se retrouve avec une formule un peu plus facile qui est r au carré égale r au carré moins 2re plus x au carré. Je vais faire passer le moins 2re de l'autre côté parce que c'est l'épaisseur que j'ai besoin, donc je vais passer, ça fait plus 2re plus r carré égale r carré plus x carré. Je vais faire passer le r au carré à droite. Certains l'ont sûrement déjà vu. C'est une très bonne nouvelle parce que ça va faire r au carré moins r au carré plus x au carré. Donc les r ici, ben, ils s'éliminent. Hein. C'est comme s'il y avait marqué 3 moins 3, ça fait 0. Il reste donc 2re égale à x au carré, c'est-à-dire e égale à x au carré sur 2r. Donc c'est-à-dire que dans la formule qui est tout en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, on peut tout à fait effacer le e et à la place écrire x au carré sur 2r. Et ça permettra de beaucoup mieux réussir les exercices avec cette petite modification.